quatrième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu jeudi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les discussions ont porté sur les mesures à prendre pour résoudre les crises qui secouent le Mali et la Guinée-Bissau. Le déploiement des troupes de la CEDEAO pour rétablir la paix et la démocratie dans ce pays est envisagé. Le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, a pris une part active à ce sommet. Voici le compte-rendu signé de nos envoyés spéciaux, Sanassi Keita de Doutraoui. En l'espace d'un mois seulement, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissent à nouveau pour leur quatrième sommet extraordinaire dans le souci de se concerter sur l'actualité de la sous-région, ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. La réunion est principalement dominée par la situation du Mali, avec en toile de fond la menace de l'expansion du phénomène du terrorisme et le coup d'État militaire en Guinée-Bissau. Ce quatrième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO porte sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, notamment les crises au Mali et en Guinée-Bissau. L'objectif étant de ramener la paix et la stabilité dans ces deux pays en vue de garantir les institutions démocratiques. Un sacré défi à relever dans un contexte politique difficile alors que les populations du Mali et de la Guinée-Bissau gardent tout leur espoir sur la CEDEAO. L'objectif de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, convoqué une fois encore en urgence, est de faire le bilan à mi-parcours de nos actions communes et de donner de l'élan à nos prochaines initiatives, notamment dans la mise en œuvre de nos décisions sur la situation politique du Mali. Il nous faudra également prendre ensemble d'importantes mesures pour répondre sans délai à la situation de confusion politique qui règne en Guinée-Bissau. Ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tout comme les représentants de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies, ont rappelé l'urgence de cette session, compte tenu de la situation politique et sécuritaire inquiétante en Afrique de l'Ouest, notamment dans le nord du Mali, ainsi que la crise électorale en cours en Guinée-Bissau. Ils ont par ailleurs attiré l'attention sur les conséquences désastreuses de ces événements sur la sécurité au niveau régional et international. Plusieurs mesures rigoureuses ont été prises au cours de ce quatrième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour établir l'ordre constitutionnel et ramener la paix dans ces deux pays de la sous-région ouest-africaine. Ce sommet extraordinaire, il faut souligner d'abord, il y a eu une présence record de chefs d'État. La plupart des chefs d'État étaient présents, ce qui indique clairement que la situation du Mali et de Guinée-Bissau intéresse vraiment la CEDEAO. Ensuite, en ce qui concerne le Mali, il y a eu une présentation du médiateur sur l'état de la médiation, un rapport du comité d'état-major de l'armée, et les chefs d'État ont décidé de maintenir les décisions qui ont été menées et de faire en sorte que la transition au Mali continue et se poursuivent. Plusieurs chefs d'État ont demandé la clarification en ce qui concerne le rôle exact de l'armée aujourd'hui et souhaitent que cette transition soit poursuivie. Des questions comme la limite de la transition ou du moins du mandat du président intérimaire, ces questions ont été discutées. Il y a eu des propositions pour que ce mandat, en accord avec ce qui a été fait pour les députés, que l'Assemblée soit autorisée à proroger le mandat du président intérimaire. En ce qui concerne la situation en Guinée-Bissau, le sommet a exprimé tout son soutien sans réserve au professeur Alpha Condé, médiateur dans ce pays, et a exhorté toutes les parties prenantes à lui apporter leur pleine coopération. Le tout dans le souci de trouver une solution pacifique à la crise actuelle. Pour réussir cette nouvelle démarche, la CEDEAO opte finalement pour la force à travers le déploiement de troupes militaires en 72 heures si la junte ne respecte pas les décisions prises. Pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, en tant que représentant du médiateur, nous avons avec le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, nous avons rencontré une délégation de la junte de Guinée-Bissau. Nous avons posé trois questions essentielles pour rapporter au chef d'État en ce qui concerne la nouvelle situation qui est créée. Nous avons voulu, d'abord, nous avons donné un message, le message de la CEDEAO. Comme vous le savez, c'est la tolérance zéro en ce qui concerne la prise de pouvoir. Alors, nous avons été très clairs en indiquant qu'aucune prise de pouvoir par la force n'est acceptée par la CEDEAO.
Nous avons évoqué le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau. Nous avons soulevé la question des personnalités qui sont sous arrestation pour le moment et aussi de l'envoi de troupes en vue de sécuriser le retrait des troupes angolaises et aussi la sécurisation du processus électoral. Après cette rencontre, à l'ouverture, le président professeur Alpha Condé a fait rapport en tant que médiateur. Il a fait le point de la situation en Guinée-Bissau depuis le moment où il a été choisi par ses pairs jusqu'à maintenant et a fait des propositions concrètes sur un certain nombre de points. Le sommet a retenu que les points essentiels, qui sont le retour à l'ordre constitutionnel, le demander aux troupes, aux forces armées, de respecter la légalité des institutions. Mais aussi et surtout, le sommet a décidé d'imposer des sanctions, comme il fallait s'y attendre, des sanctions ciblées qui vont entrer en vigueur dans les 72 heures. Je dirais qu'ensuite, un comité de suivi a été mis en place et qui comprend un certain nombre d'États et aussi l'envoi de troupes de la CEDEAO. L'envoi de troupes, il y aura des pays comme le Nigeria, comme le Burkina, le Togo, le Sénégal, qui se sont engagés à fournir des troupes pour envoyer des troupes en Guinée-Bissau. Des questions très importantes ont été discutées, naturellement le problème du narcotrafic et aussi le problème de la nécessité de la réforme de ce secteur de sécurité des forces de défense. Et sur ces points, il y a eu de larges débats et je crois qu'un consensus a été obtenu. Je dirais que ce sommet est un tournant parce que maintenant la médiation et le comité de suivi vont mettre en œuvre ces plans qui ont été adoptés, ces résolutions et ces importantes décisions, les sanctions qui vont commencer dans les 112 heures si la junte ne se plie pas aux injonctions de la CEDEAO, et ensuite la possibilité de l'envoi de troupes dans ce pays et la menace même de l'intervention de la Cour pénale internationale pour ceux qui s'opposeront à la mise en œuvre de ce plan. Ces multiples concertations des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prouvent à suffisance l'intérêt qu'ils accordent à la paix et à la stabilité dans la sous-région. Mais il reste à savoir si réellement cette organisation sous-régionale restera ferme sur les décisions prises pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau et de la paix au Mali. À Conakry, la date des élections législatives annoncées par la CENI sera-t-elle respectée? Ce n'est pas du tout sûr. Très préoccupé par la question, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a reçu ce vendredi les ambassadeurs et les institutions internationales impliquées dans le processus électoral en Guinée. Mohamed Amine Souma a suivi la rencontre. Qu'en est-il du niveau des préparatifs des élections législatives guinéennes? Auront-elles lieu le 8 juillet prochain, comme prévu par la CENI? Le président de la République, professeur Alpha Condé, en a fait le point ce vendredi 27 avril 2012 avec les ambassadeurs des pays amis de la Guinée et des représentants d'institutions internationales impliqués dans le processus de transition tels les Nations Unies, l'Union européenne et la CEDEAO. Je vais rencontrer la CENI pour leur demander de tenir compte des préoccupations des partis qui veulent réellement aux élections, qui veulent aller réellement aux élections, d'en tenir compte, et que les gens aient toutes les garanties de transparence et de capacité technique de la tenue des élections. Donc, je ne fixerai la date, ils doivent revoir, faire un chronogramme réaliste qui tienne compte de tout cela, des préoccupations des partis, de tous les problèmes techniques, et proposer un chronogramme qui soit sûr à partir de ce moment-là. Je prendrai le décret pour convoquer. Donc, je ne convoquerai pas demain. Attaché au principe pour lequel il s'est battu durant des dizaines d'années, pour ce Alpha Condé a rassuré de son engagement à veiller sur la transparence et la crédibilité des législatives prochaines. Moi, je ne peux pas me permettre, après avoir examiné tant d'années de combat, que sous ma présidence, des élections ne soient pas transparentes, démocratiques et crédibles. Ça, c'est clair. Avant que je ne fixe la date, non seulement il faut que je connaisse combien Weimar peut enregistrer par jour, deuxièmement que je dispose sur un support les données de la SAGEM. À partir de ce moment-là, si on me donne un chronogramme, je sais que c'est un chronogramme qui peut être respecté.
Mais si on me donne un chronogramme en disant que la révision va durer 45 jours, mais que je ne sais pas quand est-ce que la SAGEM va mettre ça à ma disposition, évidemment que ce serait une erreur. Donc, je ne suis pas prêt à fixer une date tant que je n'ai pas la certitude sur ces données. Donc, je rencontre la CENI cet après-midi pour leur dire, voilà ma position. Vous voyez avec le PNUD, vous voyez avec chose, les questions que les gens se posent, donner les réponses, aussi au vu de tout le monde. Et ensuite, à partir de là, proposer un chronogramme en accord, que tout le monde voit qu'effectivement, avec le transfert par la Sagem, avec le nombre de personnes qui peuvent être transférées par jour, quel est le nombre de jours raisonnable, quel est le chronogramme raisonnable. En ce moment, la CENI tiendra compte des observations de tous les autres avant de me faire une proposition de chronogramme. La question du fichier électoral guinéen élaboré par la SAGEM et gardé par elle a été également évoquée par le chef de l'État. Et on est dans le même cas de figure en Guinée. C'est-à-dire qu'on a les deux mêmes opérateurs qui prennent le relais l'un de l'autre et ils ont présenté les mêmes types d'équipements au Mali et en Guinée et rien ne s'oppose au niveau de la technologie que le produit total, données alphanumériques et biométriques, puisse être disponible sur les kits du deuxième opérateur WeMark. Il y a une seule chose que tu n'en as pas ajouté. Au Mali, la SAGEM avait pris des opérateurs maliens. Donc tous les ingénieurs maliens, ici ce n'est pas le cas. Donc comme c'était des ingénieurs maliens, la SAGEM ne pouvait pas s'opposer. Ce n'est pas le cas ici. Vous savez, dans le choix de la SAGEM, il y a eu beaucoup de problèmes. D'abord, le PNUD a fait un appel d'offres sans tenir compte des opérateurs africains. Il a fallu que les gens protestent pour qu'ils fassent un deuxième appel d'offres. Donc les conditions dans lesquelles la SAGEM a été recrutée ne sont pas transparentes. Mais nous ne pouvons rien. Et ils n'ont permis aucun cabinet africain de participer. C'est quand les gens ont protesté, ils ont ouvert. On ne peut pas demander de faire le recensement de la révision sans ouvrir. Il y a des opérateurs au Sénégal, en Guinée, partout. Donc, mais comme c'est l'Union européenne qui payait, donc ils ont fait avec le PNUD uniquement limité. C'est quand les gens ont protesté qu'ils ont ouvert. Mais ils ont posé des conditions telles que celles de la SAGEM pouvait l'avoir. En ce moment d'édification de l'état de droit et de la démocratie, la Guinée a toujours besoin du soutien des pays amis, affirme le président Alpha Condé. Le chef de l'État demande à la CENI d'instaurer un système d'information et de communication régulier. Nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner, mais pour cela, il faut que la CENI fasse un effort. Et vous avez demandé que la CENI communique, mais c'est ma remontée que la CENI ne communique pas suffisamment avec vous. Donc cet après-midi, quand je vais le voir, je vais exiger qu'il vous informe au moins une fois par semaine, pas nécessairement qu'il y ait une réunion, mais qu'il vous informe et que vous rencontrez peut-être deux fois par mois pour qu'il fasse régulièrement le point. Et aussi qu'on sache qu'est-ce qu'on peut demander à chacun de vous, quel apport vous pouvez nous faire. Mais cela suppose que vous soyez régulièrement informé. Les diplomates et l'ensemble des représentants de la communauté internationale impliquée dans la transition guinéenne ont exprimé leur satisfaction quant à cette démarche du chef de l'État à instaurer la transparence dans la gestion des préparatifs des législatives prochaines. Comme pour dire qu'en démocratie, le droit à l'information est fondamental et prioritaire. Dans le même registre, le réseau des femmes ministres parlementaires s'élève contre le déficit de dialogue entre les acteurs politiques. Le REFAM invite les institutions républicaines à s'impliquer dans le processus électoral. C'est à la faveur de la rencontre qu'il a eue avec les membres du CNT, Conseil national de la transition. Le REFAM tient à l'organisation rapide des élections législatives. Le point avec François Lama. Devant le bureau exécutif du Conseil national de la transition, le REFAMP a tiré la sonnette d'alarme et l'attention sur ce qu'il appelle blocage et manque de dialogue par rapport aux prochaines législatives. Pour les femmes ministres et parlementaires, il est temps pour les femmes de tous bords de s'impliquer aux côtés des institutions républicaines pour trouver une solution.